Les amis, je vais vous parler d'un film culte, Prise de Nice. Brice de Nice est un film de 2005. On y voit Brice, incarné par Jean Dujardin. Brice est un adolescent, c'est-à-dire un adulte qui vit comme un adolescent attardé. Il est par ailleurs fan de surf, enfin il est plutôt fan du film Point Break et même surtout fan d'un des personnages du film, Buddy, interprété par Patrick Swayze. Il vit donc sa vie en se projetant régulièrement dans l'univers de Point Break, comme son personnage préféré, et passe son temps à organiser des soirées. Il ne fait pas grand chose à vrai dire, car son père est plutôt aisé. Mais un jour, la police a découvert que son père travaillait en fait pour la mafia. Il est donc arrêté et tous ses biens sont alors saisis. Brice se retrouve du jour au lendemain livré à lui-même, lui qui n'a jamais rien fait de sa vie, va devoir affronter et découvrir la vraie vie. On suivra donc les péripéties de Brice à travers ses rencontres, Marius, incarné par Clovis Cornillac, Igor, incarné par Bruno Salomon, et bien d'autres encore. C'est un film très drôle à regarder en famille et à faire découvrir surtout à vos adolescents. Ils vont adorer l'univers de Brice et même retenir certaines répliques cultes de ce film. Je t'ai cassé.